Et coucou le people, c'est Charty, en compagnie de... Jay-Z. Voilà, donc on se retrouve pour l'épisode numéro 44, enfin, après maintes et maintes essais. Donc déjà, je vais remettre le micro, parce que ça me saoule. Ah, bit, merci beaucoup, monsieur, voilà, hein. Donc, en fait, je vous explique, on a fait tout un épisode pour rien. Donc on l'a supprimé, voilà, hein, c'était l'épisode... Donc là, normalement, on serait au 45, mais là, c'était au 44. Mais ça change rien, en fait, pour vous, rien du tout. Donc au pur des cas, on s'en fout. Donc en gros, j'avais fait une sauvegarde rapide. Comme ça fait... En gros, ça fait 2 mois qu'on a pu tourner, du coup, je me souvenais plus. On avait fait une sauvegarde rapide. Enfin, c'était un truc... On avait fait une sauvegarde rapide par le jeu, et on avait fait une sauvegarde rapide par le logiciel. Et la bonne, c'était celle du logiciel, et comme un con, j'ai repris celle du jeu. Du coup, on était nouveau niveau 21, tout, c'était chelou. Mais, c'est bon, là, on est sûr que c'est bon. Bon, alors. Par contre, pour le battre, lui, comment on fait Juste comme ça... Tout à l'heure, j'ai réussi à le battre hors vidéo, donc je pense qu'on peut le battre en vidéo. Hein. Même avec les PV qui me restent. Est-ce qu'on a un objet de résurrection? Ah, une pomme. Vive les pommes, moi je dis. Vive les pommes, vive les pommes, vive les pommes d'api. Voilà. Alors là, on met une 6, voilà, tranquille. On augmente la défense, tranquille. Voilà. Voilà, ça se fait pas. Voilà, tu sais rien. J'aurais pu faire 6. Et ouais, t'aurais gagné. J'aurais pu faire 6. T'aurais gagné. Attends, on va pas se laisser abattre comme ça. Moi je dis. Et toi tu vendredi, ok. J'en ai marre, dit-il. Mercredi, hein. Mercredi, y'a quoi mercredi? Y'a le marché, non? Je crois qu'on est devenus les bestes, mon pote. On va percer avec nos blagues de merde sur YouTube, tu vois. On va tous les mettre KO. Ça me dit que c'est pas bon. Ah ouais. Mais dimanche, ça fait quoi d'avoir dimanche, en fait? Tu vois, dimanche à balai. Pas, ça fait déjà le manche à balai, moi je me le mets où je pense. Mais... oh le salaud. Moi déjà je te l'ai... Ne dis pas manche. Puis faire 10 fois la manche, enfin voilà, hein, c'est pas non plus... Ouais. Vaut mieux une fois, mais voilà. L'un dit à l'autre... Ouais c'est vrai, on a encore pas fait lequel... Je te vendredi, tu vois, je te le vends, tu vois. Ce qui me sert à rien, Dredi me sert à rien, du coup je te le vends, ok. C'est qui Dredi? C'est mon pote. Il ressemble à quoi? Ah, je sais pas, il ressemble à un jour de la semaine. Il doit pas être très joli, alors. Le gars pessimiste. Sinon, on serait pas très marrant, en fait, nous. On serait pas les hommes les plus marrants. On serait pas des catamarans. Ok, allez, au revoir. un jour, il y a des gens qui vont vraiment nous disliker nos vidéos pour raison blague de merde. Ça va vraiment arriver, je sens. Et le jour où ça arrivera, je chierai du poulet, ok. Ça n'a aucune logique, mais rien à foutre. Voilà, on va le battre. Y'a pas un point de... Non, y'a même pas de point de restauration des PV, je crois. Attention, super attaque. Tu sens la super attaque, là? Yes.
Kamehameha à 100%. Yes. Limite, on peut peut-être aller en prison pour agression de... De soldat de Freezer. Non, mais... On va avoir agressé la langue française. Pourquoi? Pour ces blagues de merde et tout ça. C'est... Ah ouais? On nique la France. Je suis sûr, un jour, ils inventeront une loi exprès. Interdiction de faire des blagues de merde. C'est pas comme s'il y avait déjà pas des lois à la con. Tu sais, je crois qu'il y a des lois en Suisse. Enfin, je sais plus dans quel pays. Je me rappelle, il y a des gens, ils font des top 10 des lois les plus stupides. Je sais plus quoi, mais il y a des lois, c'est vraiment, mais vraiment con, quoi. Genre, je crois, en Suisse, on a... Je sais plus, en Suisse, peut-être, je sais plus quel pays, on n'a pas le droit de rouler les feux éteints. Ou un truc comme ça. Déjà, c'est dans le code de la route. Mais il y a aussi les noms interdits, aussi. Genre, dans un pays, je sais plus c'est lequel, t'as pas le droit d'avoir comme nom de famille... non, comme prénom, les lettres de l'alphabet. En continu, tu vois, A, B, C, D, E, F, G, t'as pas genre de t'appeler comme ça. C'est une loi. Lol. C'est interdit. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, X, Y, Z. Viens ici, s'il te plaît. Et tiens, à chaque fois qu'il fait... c'est le mec qui fait une connerie. Ok, bon, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O... Ouais, bref, hein, tu te calmes. Les gens, ils en ont marre, tu sais. Il est renié, le mec. Voilà, c'est la petite minute. Perdu. J'ai pas perdu, mec. Oui. Je m'en fous, si. J'ai pas... Non, j'ai si. Pas perdu. J'ai pas perdu. J'ai pas perdu, je te dis, ok, tu te calmes maintenant. Sinon, c'est soit tu te calmes ou soit je te calme. C'est le plus grand entre toi et moi. C'est un peu toi, ok. Ok, un peu toi. Un tout petit peu. Mais c'est déjà pas mal. Hein. Je gagne un millimètre, là. C'est déjà un millimètre de plus que toi. Hein. Ouais. Fais le frimeur, fais le frimeur. Je fais le freezer moi aussi. Oh putain, j'en ai marre. Ça c'est cool, on aura une Z à la prochaine pioche. C'est cool, parce que en fait, j'ai jamais compris pourquoi ça s'appelait Dragon Ball Z. À part les cartes Z, parce que même les balls, il y en a 7 je crois, des boules de cristal. Il n'y en a pas Z. Z, c'est plutôt 8. Non, c'est pas 8. Qui a dit que Z c'était 8? Moi. Oui, mais voilà, ça suffit pas quoi. Tu sais, peut-être. Ah d'accord, ils sont généreux. Z, oui. Tu sais pas, mais en fait, peut-être que je suis le créateur de Dragon Ball. Et ouais. Si toi t'aurais inventé Dragon Ball, eh bah putain. On serait pas sorti de l'auberge. Tu sais pas, peut-être que je suis un dieu même. Toi ? Je préfère ne pas le savoir en fait. Parce que si toi t'étais un dieu, je sais pas quel truc tu représenterais à part la connerie, mais... Un dieu de la connerie. C'est pas mal ça. Toi, tu pues la merde. Là t'as pu la merde. Là t'as pu la merde. Je sais, mais j'ai fait exprès pour pas gaspiller mes autres Z. Mytho. C'est vrai ? Mytho. C'est vrai ? T'es vraiment un mytho. Mitochondrie ? Ah putain. C'est ce que c'est la mitochondrie, c'est dans la cellule du vivant. Je connais pas. Ah, t'as pas étudié en SVT? Et c'est super chaud en plus comme truc. Je connais pas en SVT. Plus moi j'ai un bac blanc à la rentrée là, ça se saoule. En seconde un bac blanc quoi. Dites-le, c'est illogique. Défendez-moi bordel, c'est illogique. C'est bien les lycées privés alors. Non, c'est de la merde. Mais c'est trop bien. T'arrêtes de dire que c'est bien, ok? T'as l'air, ok. Tu arrêtes de donner du positif à ce truc, ok? Pour une fois, je t'autorise à critiquer, donc tu critiques. Alors, ça pue la merde. Ça, c'est très bien. Ouais. Je peux pas faire ce que je veux, en fait. Freezer. Ça t'avait manqué. Hein. Je te souhaite... je souhaite un bon anniversaire. L'immortalité. Qu'il en soit ainsi. Ah, il a compris. Tout le monde sauf ces deux-là sera envoyé sur la planète Terre. Quoi ? Du coup, il va pouvoir... Non ! Attends ! Tu savais que Porunga n'exauce que les souhaits formulés en Namek ? Fascinant, n'est-ce pas ?
Ah. Depuis le temps que j'attends ça. La planète ne tiendra plus très longtemps. Plus que 2 minutes et tout explosera. Tu espères pouvoir m'abattre avant l'explosion? Contrairement à moi, tu n'as aucune chance de survivre dans l'espace. Peut-être bien. Je vois. Peu t'importe de mourir du moment que tu gagnes ce combat. Voilà. On va se faire atomiser, bien sûr, hein, parce qu'on est des merdes. Voilà. Ouais. Donc, une petite sauvegarde rapide, parce qu'on change pas les habitudes de la maison. Ta gueule. T'es très sympa, toi. Bon. Alors, pour commencer, moi, je propose un joli Kaioken in your face. Voilà. Allez, mets 2-16. Allez, mets 2-16 qu'on rigole. Mets 2-16. Non. Médecin, c'est celui qui sert de... Qui arrive à soigner les malades, tu vois. Un médecin. Voilà. Voilà. Comme quoi, des fois, les blagues de merde, ça sert à se rattraper aussi, tu vois. Un mets de chien, tu sais, c'est ce que c'est un mets. C'est quelque chose qui se mange, qui est très apprécié. Le mets de chien, bah oui, c'est un mets à base de chien, en fait. Par contre, ça devient un peu dégueulasse. Hein. Et tu crois vraiment qu'ils mangent des chiens en Chine? Ça, c'est des conneries, c'est des rumeurs, c'est des fausses rumeurs. Non, je suis pas sûr. Non, je crois que c'est les chiens en plus. Je crois pas que c'est les chiens, je crois que c'est les chats. Bah non, parce que le hot dog, c'est le chien chaud. C'est américain, ça. Ouais. Mais ils mangent pas réellement des chiens chauds, tu vois. Non, encore heureux. Ouais. En Amérique, c'est plutôt des casse-dalles et tout ça, en fait. En vrai, c'est plutôt les chevaux et tout ça. Les chevaux? Oh putain, oh. Non mais c'est pas pour la faute que je te dis, si, mais... Ouais, c'était dégueulasse ce que je viens de dire. Des chevaux. Non mais bref, on s'en fout, mais ce que je veux dire, tu crois qu'ils mangent des chevaux en Amérique? Tout le monde en mange. Non mais... T'es sérieux? T'es sérieux là? Y a des Américains comme des Français comme des... Mais moi je mange pas de cheval, ok? Ah merde, micro. Qui sait? Oui, qui sait, c'est vrai, j'en ai peut-être mangé à l'époque où il y avait Findus et tout, mais voilà. Et moi je dis, à cause de ça, fin du succès! Voilà. Ce que j'ai dit tout à l'heure. Ah là, niquez la France. Franchement, t'es le meilleur en faute d'orthographe, mon pote. C'est quoi? Enfin, je vais raconter une anecdote. Un jour, il a dit des os au lieu de dire des os. Sérieux? Ouais, tu l'as dit. Je m'en souviens, quand t'étais petit. Donc c'est pardonnable. Non. Quand j'étais petit, j'étais con. Ça c'est vrai, c'est tout à fait vrai en plus. Non. Si, t'étais con quand t'étais petit. Même moi j'étais con quand j'étais petit. Je suis l'homme le plus intelligent du monde. Bien sûr. Même Bill Gates il est pas aussi intelligent que toi. Jamais de la vie. Jamais. Bah non, y'a personne qui est supérieur à toi. Bah non, clairement. C'est moi qui lui ai donné l'idée. Clairement et puis foncément aussi. Tu vois, parce qu'il y a clair, il y a foncé aussi. Il y a clair cheval. Merde! Il y a Claire Denis aussi. Oh! Non. Oui. Non. Oui. Oui. Bref, je sais pas ce que j'ai fait. Oui, oui, non, non, si, si, oui, oui, bref. Si, si. Si, si. Si, si, en plus, c'est le mec qui accompagne Didi Chandouidoui, là, tu vois. Non? Tu vas pas? Si, si, mais... Si, si, bah oui, si, si, tu vois, hein. Si, si. Puis aussi, si, si, dans Code Lyoko, là, je crois qu'il y a une meuf, elle s'appelait si, si, aussi, dans Code Lyoko. Alors, t'imagines, si, si, la famille. En fait, c'est juste la famille de si, si, en fait. Non, mais ta gueule. Nul. Non, c'est trop bien. Nul. Franchement, je devrais m'abonner à blaguedemerde.com. D'ailleurs, je suis déjà abonné, je crois. T'es le fondateur. Ouais, franchement, j'hésite encore à créer une chaîne avec ou faire des vidéos, tu vois, où je raconterai des blagues de merde. Ça pourrait être tellement bien de voir tous les dislikes qui puissent arriver, tu vois, comme ça. Quel est le comble pour un coq? C'est d'avoir la chair de poule. Ouais, c'est toi qui l'as fait. Quel est le comble pour un carambar? Ne pas avoir de blagues. Bah, c'est nul. Oui, c'est nul, mais bon, c'est... Voilà.
Quelle est la différence entre une cocotte minute et un flic? Je sais pas. Il n'y en a pas. Parce que à chaque fois quand ça siffle, c'est cuit. T'es con. Trop fort. Trop fort. Je suis tellement fort, du coup, ouais, ouais, ouais. Bon, t'arrêtes de me donner des coups de coude, je suis pas ton mec, ok? Salut chéri, ça va? Non, t'arrêtes tout de suite. Tu te rappelles de hier soir? Je me barre de la vidéo, ok? Hier soir, c'était ouf, hein? Non. Bah oui, c'est sûr, j'étais devant mon ordinateur, là. J'étais en train de monter les vidéos, justement. Et pas de démonter les vidéos, ok? Confonds pas les deux. Les démonter, c'est pas bien. C'est pas catholique. Non, ce n'est aucune religion en fait. Démonter les vidéos. Je peux te dire, je les ai démontées toute la nuit. J'ai démonté les vidéos, putain. Et bientôt, on va mettre un truc interdit au moins de 18 ans sur la chaîne. C'est obligé, tu vois. À un moment donné, on atteint. C'est bien parce que là, ça, moi, je regardais ce que j'aime bien. Non, pas ça. Ah. Les animés. Oui, je sais. Ouais, t'avais rien de. C'était pas Bible Black, non. Non, je l'avais pas téléchargé, du coup, j'ai pas pu le regarder. Ah, c'est pourri, télécharge. Voilà. Et on est niveau 23, on a sauvé la Terre, voilà. Oh, j'ai failli débrancher le micro. Non, arrête. Gargouille. Après tout ce que tu as fait, c'est vraiment pathétique de mourir comme ça. Sangoku. C'est pas grave. Tu vas voir. Je trouverai un moyen de regagner la Terre. Mais toi, tu finiras en poussière. Oh, punchline, comme cette planète. Grrr. Ah la crève. Je t'en prie, sauve-moi. S'il te plaît. Je t'aime. Mon amour, hein, pour toi. Je t'en supplie, aide-moi. Tu plaisantes? Après tout ce que tu as fait, tous ces gens que tu as tués. Pitié! J'aime les femmes! Il l'a guéri, ce con. Je vais te donner un peu de mon énergie. Tu devrais pouvoir t'en sortir par tes propres moyens. Fais-en ce que tu veux. Je n'en attendais pas tant. Tu peux survivre dans l'espace, non? Alors, tu ferais mieux de quitter cette planète en vitesse. Va-t'en et remercie-moi de t'avoir épargné. Cette planète est sur le point d'exploser, que vas-tu faire? Si tu ne peux pas survivre dans l'espace, c'est la mort qui t'attend. C'est vrai, je n'ai pas le temps de regagner mon vaisseau. Alors je vais devoir prendre le tien. Abruti, tu ignores que Vegeta l'a endommagé. Quelle ironie, tu m'as battu, mais c'est toi qui vas mourir. Et quelle arrogance, me donner un peu de ton énergie. Mourir ne fait pas partie de mon programme. C'est moi le plus fort de tout l'univers. Je vais te tuer de mes propres mains. Tu dois mourir. C'est un bonheur quand même, hein. Imbécile. Ouais, à mort. Heureusement qu'il n'y a pas de combat. Même Freezer, le plus puissant de tout l'univers, ne peut pas survivre à une nouvelle attaque de Sangoku. Mais Sangoku court à une mort certaine. Le vaisseau de Freezer disparaît dans les entrailles de la planète Namek. Non, Sangoku n'a plus aucune chance de s'en sortir. Et en ce jour funeste, l'univers assiste à la mort d'une planète et à celle d'un grand guerrier. C'était magnifique, c'était poétique. Mais Sangoku, c'est le premier héros à mourir le plus vite possible dans un animé quand même, hein, faut le préciser. Hein. Mais là, il est pas mort en vrai. Hein. Oui, mais je veux dire, au début de l'histoire, t'es d'accord avec moi qu'il meurt presque dès le début? Pas vraiment. Avec Raditz. Oui, mais c'est pas vraiment le début de l'histoire parce que c'est la suite du Dragon Ball Z ou quand il était petit. Oui. D'ailleurs, je sais même pas comment ça s'appelle le tout premier quand il était petit et tout. Dragon Ball. Hein? Pourquoi ils ont rajouté Z après? Parce qu'ils aiment bien la dernière lettre de l'alphabet. Ok. Bon bah en attendant le people... Oh, 65% du jeu a fini. Ouais, non mais toujours la petite bête. Bref, en attendant, moi et Jay-Z, le people... Du coup, j'avais raison. Oh, je suis ouf. On vous dit... Bye le people. Allez, tchuss. Je vous aime.